Eh bien salut à tous, c'est Costa17, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le premier épisode d'un Tour de France. Donc aujourd'hui on va faire un Tour de France avec la Cofidis. Parce qu'il y a très longtemps j'avais fait un sondage et donc c'est l'équipe qui a été élu, donc on va faire toutes les étapes. Hein. Donc on va faire la première étape avec les sprinteurs. Donc on va regarder un peu les objectifs. Alors, alors dans les heures, on va devoir gagner une étape avec Coppel. Coppel, je crois que c'est un rouleur. Je sais pas. Gagner le classement du meilleur grimpeur avec Taramei. Donc ça va pas jouer aujourd'hui. Et finir dans les 10 premiers du classement général avec Navarro, donc un grimpeur. Hein. Donc on va partir sur l'étape. Donc elle va être assez courte hein, cette étape. On va prendre le sprinter de cette équipe. Donc sprinter, on a Petit et Pouliès. Hein. Alors sachant que ouais, c'est Petit. On va prendre Petit. On va essayer de gagner l'étape. Hein. Voilà, j'espère que ce retour sur le Tour de France va vous plaire. Et une meilleure qualité maintenant, comme vous pouvez le voir. Je pense que c'est mieux quand même. Hein. On me l'avait dit, hein, reproché. Donc là, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise qualité. Elle est quand même pas mal. Ou je suis sur Xbox 360, alors certes il y a une moins bonne qualité, mais c'est pas grave. Donc on est parti pour cette étape. Ok, c'est parti. Donc on va avancer parce que je suis désolé, hein, il n'y a pas vraiment d'action. Donc j'espère que ça va être court. Elle va être courte cette vidéo. Parce que déjà, j'ai pas trop le temps de faire la vidéo. Et puis voilà. Donc on peut voir qu'il y a Toft et Labori d'échapper avec pour l'instant 1 minute 30 d'avance à peu près. Donc après, bah il y a le peloton. Ah non, on goûte le vent et Petit. Aïe aïe aïe. Je vais le faire revenir dans le peloton parce que là. S'il revient pas dans le peloton, on va pas pouvoir faire le sprint et il faut pas qu'il s'échappe. Voilà, c'est bon. Il va pas pouvoir s'échapper, je pense. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, ce retour sur le Tour de France. Parce que c'est comme ça que je me suis fait connaître. Hein. Enfin, que j'ai eu mes premiers abonnés, hein. Je n'ai pas eu tellement... Au Tour de France, mais c'est un jeu que j'aime bien, donc il va bientôt y avoir, enfin bientôt, l'expression, en quelques mois, il y aura le Tour de France 2015, je vais me l'acheter hein, directement, et je vous ferai une série, j'espère qu'il y aura encore le Pro Team, donc je sais pas, dites-moi si je continue le Pro Team, là aussi, j'avais pas m'assuré sur certaines vidéos. Puis je prenais du plaisir à faire cette série. Donc voilà. Donc on va bientôt arriver au grimpeur. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Pour l'instant. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc il reste 120 km. On va passer le grimpeur. Hein. Sachant que... Brian Cocker s'est échappé. C'est... Ensuite, alors grimpeur, c'est Guillaume Bovin qui de la Canandaigue qui gagne ce grimpeur. On va s'arrêter à 5 km du sprint. 6, 7. Ouais. Et on va le disputer à fond ce sprint. Donc voilà, allez, 5. On est à 5 km. Je vais essayer de faire une bonne place, de bien figurer. Hein. Allez.
classement géographique, laisseront vite place à l'enjeu du premier maillot jaune. Il sera attribué au terme d'une ligne droite en montée propice à une belle explication entre sprinteurs dans la ville étape d'Arrougueil. Un véritable sprinteur qui en plus passe pas trop mal les bosses. Il faut se méfier de lui au sprint. Donc bien sûr, Brian Cocker a pris tous les points. On essaie de sprinter à 2,5 km. On va prendre notre ravitaillement. On va commencer à sprinter. Voilà. Et là, c'est là qu'on peut attaquer. Je pense que c'est Kittel derrière. Aïe aïe aïe. Il se fait dépasser, on rattrape. Et petit qui bat Kittel. Voilà, donc c'est bon. Allez, on va essayer de finir l'étape vite fait là. Et puis, de toute façon, le deuxième épisode sera mieux. Donc, oui, je voulais dire que le Cofidis a remporté à égalité avec la BMC avec 40%, je crois, des votes. Donc, espérons que ce soit mérité. Donc grimpeur, deuxième grimpeur c'est Tuft qui a gagné, et troisième, c'est Mendes, c'est Tuft qui prend un point. Mais donc déjà il va y avoir pas mal de... de points attribués. Donc là je vais prendre un 4 km parce que j'ai pas trop de temps de filmer. Espérons que j'arrive à filmer jusqu'à la fin. Désolé si cette étape n'a pas duré très longtemps. Là, il me reste plus que 20 secondes. Je pense que la vidéo va se terminer là. Aïe, c'est dommage, c'est dommage. 10 secondes, alors là, je crois que... 3 km, on va se dépêcher, Aïe, 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 aïe. Et ben, salut. Ok, c'est parti, on peut faire le sprint. Allez, 30 secondes. Le sprint. Allez, on part tout de suite, on va pas perdre de temps. Le sprint. Allez, 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 allez. On va peut-être gagner ce sprint. Espérons en tout cas. Allez, 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 allez. Ouh là là, ça va être juste, ça va être juste.